les titres. Ça fait 40 ans que c'est là. Bon, pour certaines, oui. Théoriquement, c'est comme le vin. Ça se magnifie. Voilà. Volupté anale. Plaisir, réjouissance. Délire, sodo. Bien au fond du petit trou. Tout ça, c'est des sociétés de production qui ont disparu. Ouais. Ils ont disparu dans les années 90, c'est ça? Oui. Avec l'avènement de la... Oui, et puis la disparition des cinémas. Vous voulez 2 euros ? Volontiers. Ah, vous n'avez pas les 10. D'accord. Merci. Bah, tu sais, le matin, je vais te dire, nous on travaille maintenant, on travaille sur 4 heures au lieu de travailler sur 8 heures. De ce fait, je pense que le matin, je vais fermer pour ouvrir carrément à 13 heures tous les jours. Parce que tu vois, depuis, ça fait une heure que je suis là, il y a 3 clients. Alors, non, c'est pas sur 3 clients, je perds à peu près 50 euros si je calcule tout. Alors,
Non, mais en taxe. Ben oui, moi ça démarre quand j'ouvre. Donc le gars qui est là, que ça soit moi ou que ça soit mon collègue, bon ben une fois que c'est parti, là je viens de payer 5000 euros d'URSSAF, enfin j'ai pas payé, je sais pas comment je vais les payer, alors tu vois, ça devient lamentable. Ah, ce film, Les Deux Gwyn, c'est un grand réalisateur, José Benazeraf, et qui m'a offert ses copies. Paris, le 16 juin 1975. Ça, c'est son numéro de visa. C'est un grand classique du X. Hein. Voilà, donc vous avez tous les titres. Soubrette cochonne, plein de cul, orgie nuptiale, pénétration anale, prouesse anale. Petite trou vierge à explorer. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Gâterie anale. Laisse tomber ta culotte. Secrétaire BCBG. Ça, quand je mettais cette affiche-là sur les rues du cinéma, j'avais beaucoup de directeurs de boîte qui venaient chercher l'affiche pour mettre dans leur bureau. Évidemment, la secrétaire, les mille un plaisir, fantaisie. On va en choisir une autre. Ah, celle-ci. Il en reste plus beaucoup, hein. Là, c'est Brigitte Lahaie. Vous la voulez? Eh ben, il dit pas non. Hein. L'avant-dernière. Ça, c'est... Regardez cette poitrine naturelle qui demandera être caressée, soutenue et pétrie par mes mains. Alors, quand le Beverley disparaîtra, mais on fera une vente de tout ça. C'est quoi l'après Beverley? Ah, Dieu seul le sait. Et encore, on n'en sait rien. On n'en sait rien. L'après, peut-être un théâtre, un hammam. Ou un dépôt. Ou rien du tout. Ou un autre cinéma. Peut-être là pour les enfants. Mais vous n'êtes pas prêt d'arrêter quand même. Oh, bah il faudra s'arrêter un peu le jour où je pourrai plus mettre les bobines. Eh oui. Voilà.
Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a plus de distributeurs. Quand j'ai commencé, il y avait à peu près une dizaine de distributeurs. Donc chacun me proposait une liste de films. Et chacun travaillait avec un peu tous les cinémas de France et parisiens. Les salles ayant fermé les unes après les autres, les distributeurs ont disparu et il reste un qui se trouve à Lyon et qui a réuni tous les films qu'il a pu récupérer. Donc on travaille tous les deux. Un seul distributeur, un seul cinéma. Oh, il y a des habitués, oui. Dans les habitués, j'ai Papy Lamante, parce qu'à chaque fois qu'il prend une place, il me donne des bonbons à la menthe. Donc je l'appelais, je connais pas son nom, je l'appelais Papy Lamante. J'ai des collectionneurs aussi qui m'offrent des collectionneurs de livres érotiques, de statues, de peintures, qui m'offrent. Des livres, des peintures, j'en ai derrière l'écran, j'ai quelques œuvres intéressantes. Voilà, il y a un échange, il y a une grande sympathie ici que l'on n'a pas dans le cinéma traditionnel. Donc on travaille comme on travaillait il y a 40 ans dans les cinémas de quartier. D'abord, cette salle, c'est la dernière, une des dernières, qui ressemble au cinéma de proximité des années après-guerre. Vous pouvez nous raconter comment c'était la première fois que vous êtes venu travailler ici? Ah, la première fois. C'était sur une annonce dans notre revue professionnelle. Je cherchais un directeur de salle. Et. Donc, je quittais un complexe de 11 salles où j'étais directeur. Et d'abord, j'ai eu du mal à trouver la rue. Vous avez vu, ces petites rues faciles à trouver, mais quand on ne connaît pas, assez discrètes. Et c'est en faisant demi-tour au bout de la rue que je vois la salle. Bon, que ça soit un cinéma X, nous, on est projectionnistes. Là, on fait la caisse, la projection, donc... On est là pour faire entrer des gens, pour faire la technique, pour faire le commercial. On ne tourne pas les films. Et donc, je dis, bon, bah, je vais rester là 3 semaines. Et voilà, 3 semaines, c'est bientôt 30 ans.
La musique, ça aide hein, pour le travail. Just look at me, I'm a bold stranger. Don't forget to ask my name. Well, I'm called Mr. Spearhands. Should I wear the night just to see the morning light? Please open the door so I can see the floor. Imagine I'm called a poor beggar, since that's the way the world is. Please, Larry, a boss stranger, and remember, I'm Mr. Spearman. My mama never told me.